Pardon YouTube, j'ai oublié de relancer la VOD. Oh mais tu m'en voudras pas. Parfait, j'ai pris le bon TP. Pauvre YouTube. Ah bah ils ont qu'à être sur Twitch, hein. Sur Switch, j'allais dire. Ils ont qu'à être sur Twitch. Ça leur servira de leçon. Ils ont raté un dialogue tellement important. Voilà. Ensuite. On retourne lui faire un coucou. T'as pris le meilleur bouclier du jeu, tu l'as mis en plus 25. Quel ouf. Ah d'ailleurs, j'aurais dû peut-être faire un tour au bastion avant. Ah, my lambkin. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Présentez le doigt. Il fait trop peur. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Oh, another thing. You should have this. A medal granted by the new Moguin dynasty. With the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you. But you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Ouais, mon cul qu'on va attendre. Juste avant, on va au bastion. Tu perds aucune stamina quand on tape dedans? Ah, c'est de la triche. Vous pouvez désormais acheter de nouveaux objets auprès des cartes de servantes. Genre quoi? Genre des pierres de forge? Ah, je peux acheter jusqu'à des plus 8. Et des plus 9 en sombre. Oh, c'est tellement parfait ça. Je pense qu'on va tout, tout augmenter. Hein. Triste ça. Boum. Alors, ah, ça va être chiant, on va se taper des allers-retours, hein. Ça va être casse-burne. En fait, avant.
Bien sûr. Bien sûr qu'on la prend. Pardon, j'ai cassé une chaise. Désolé. Par contre, elle est dans quelle catégorie ? C'est ce qui me semblait. Ah putain, mais il faut de la foi ! The Bee. Donc, il m'en fallait combien ? Il m'en faut 5. On va faire un peu de mathématiques. Et 1400 fois 5. 12 000. Non mais j'ai assez sur moi, j'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Au moins on a pu vérifier que je sais compter. Et voilà. Là, il me manque une pierre de forge sombre des dragons anciens. On va mettre ça à donf. Et ensuite, je pense que celle-là, je vais pas plus l'utiliser en fait. Ok. Alors le truc qu'il m'a donné... C'est où ? Là. J'ai pas envie d'aller là tout de suite, ça sent la baise. Oh, vas-y. Quoi ? Vraiment ? Eh ben... La carte ! Je peux pas y accéder...
Attendez, excusez-moi, je me mouche encore. Je peux peut-être regarder ma map là du coup. Oui! Et c'est assez grand quand même, mais j'ai pas très envie d'y aller. Oh putain, saloperie. Après, s'ils explosent tout seuls, moi ça me va. Hein. Est-ce que ça sert bien à quelque chose de tous les tuer? À part nous faire perdre du temps et de la vie. Ouais mais... Tu sais, moi j'aime bien quand je tue tout le monde. J'en ai tué pas mal mais il revenait. Bon après en vrai ils sont tranquilles hein. J'aurais passé 1000 ans à tous les buter là. Oh yes, un gros caca. C'est vraiment un gros tas de merde. Ok. Ok. Sur ce mog, il y a une seule chose qui m'énervait. J'ai un pote qui l'a fait hier, qui l'a pas terminé, mais qui l'a essayé de le faire hier. Il m'a dit qu'il y avait un truc qui était un peu décourageant, mais il m'a pas dit quoi. On est resté 4 heures sur un boss. Ça vous dit de re-rester 4 heures sur un boss? Tout droit ou à droite? Vas-y à droite. Pas envie de descendre.
Impossible que j'y reste 4 heures. Tu surestimes peut-être mes skills. Je frappe trop fort. Ah. Ça, c'est un autre problème. Tu trouves que Mog est... J'allais te demander si tu trouvais que Mog était plus facile que... ce que je viens de faire, mais évidemment, tu ne peux pas savoir. Okay. J'avoue que j'ai un peu la flemme de visiter. Toi, tu trouves Malekith plus dur que Mog. Ok. Un ascenseur. Bon, allez, on les nique. C'est-à-dire que... Bon. Merde, je les ai pas ramassés. Beaucoup trop forts et nombreux. Challenge accepted. Pour le lol. Pour Frodon. Voilà, t'es déjà entamé. Bon, ça va le faire, non? Je sais pas. C'est pas la torche que je voulais. Il en reste un qui a rien capté. Excusez-moi. Ah mais il y a un coffre. J'ai bien fait d'insister. Exactement ce que je voulais. Exactement. Ah, ça monte. Je pensais que ça descendait.
Est-ce qu'on peut passer rapidos quand même ou... Oui, en courant. Mikala. You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Je suis méchant. Bon, on va dire au revoir aux 96 000 runes qui m'ont accompagné jusqu'à présent. Ah, j'avais oublié qu'il y avait un délai énorme. Ce truc qu'il a mis autour de moi là. Jusqu'ici, ça va. Bon, ça suffit, oui. Oh, le délai de cette attaque-là est... À chaque fois. Ça y est, c'est la P2. Oh putain. D'accord. D'accord.
si j'ai bien compris, il m'a volé de la vie en fait. Tiens, moi aussi je te fais saigner. En gros. Ok, plus qu'une fiole. Je savais que c'était une connerie. Ok. Là comme ça, il me semble pas insurmontable, mais ce serait pas la première fois que je dise ce genre de conneries. Ce serait pas la première fois où je fais un premier try correct et après je fais totalement de la merde. J'avais pas vu que j'avais une aussi petite barre de vie. J'aurais dû lui sauter dessus en fait. En fait, si j'ai bien compris, la première phase, il faut aller le plus vite possible pour qu'il te mette pas ces espèces de sorts de merde autour de ta taille quoi. Non, tu vas pas galérer, tu penses? On va voir. J'ai oublié de mettre ça. Yes. Merde. Bah ça aide de l'avoir déjà fait une fois quoi. J'ai grid comme un connard. Allez. On y va correctement. Grid pas. Kill. Mal le temps. Je vais éternuer. Non, j'éternue pas. Et... C'est ouf, hein, celle-là. Il y a une fiole miraculeuse pour ça? Sérieux?
Aïe aïe aïe. Intéressant comme info ça. Si tu soignes pas au milieu de son bordel, t'es mal hein. Il la chatte là. J'avais plus d'endurance, je mérite. Le grid de merde. Je voyais sa barre de vie descendre tellement vite que je me suis dit putain, je peux peut-être l'avoir là. Du coup, j'ai arrêté de faire attention. Et quand on joue comme un con. Récolte la monnaie de sa pièce. À chaque fois, je me fais avoir avec ça aussi, hein. Pour ce combat, tu t'es pas privé. Mort à cause d'une petite flamme de merde. Moi je vous avoue que du coup j'ai pas très envie d'utiliser, j'ai l'impression que je sens que je peux l'avoir comme ça. Donc, je vais faire sans. Même si je galère un peu plus, c'est pas grave du tout. J'ai envie d'y arriver sans.
à chaque fois avec ça, je me fais avoir. D'accord. Comme il enchaîne. Par contre, mes runes, elles sont super mal placées. Ce serait dommage de perdre 96 000 âmes. Runes. Bon, je vais arrêter de me soigner. C'est horrible ce qui se passe. C'est horrible. Je lui ai pas mis un seul coup. Allez, viens. Je suis prêt cette fois. Enfin, après, je voulais dire... La portée qu'il a aussi avec son bazar. C'est dead. J'ai déjà utilisé trop de fioles et je vais pas en avoir assez pour son passage en P2. Encore un éternuement qui veut venir mais qui va pas venir, salopard. Alors est-ce que c'est ce try? Du coup non. Par contre j'ai perdu mes runes loin, c'est chiant. Ça va, nickel. Ah, j'ai cru que je pouvais passer au-dessus. J'en peux plus.
Oh le bâtard. Du coup, c'est son spam de lancer de flamme qui reste 10 minutes au sol qui me saoulait. Des fois, il spammait ça 4 fois de suite. Ah, je vois. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas fait attention. Je t'avoue, pour le moment, j'ai très très mal observé ce qu'il fait. Là, tout ce que je dodge, bon, à part sur sa première phase, puisque je la connais, mais sur sa deuxième phase, tout ce que je dodge, c'est à l'instinct. Hein. Y a rien d'appris, j'ai très mal observé. Ah, ça là? Oh, j'oublie toujours qu'il y a le dégât quand il la retire. That's what she said. Je sais l'éviter ça normalement. C'était juste, hein. Oh putain, encore. Il est chiant, ouais, il est chiant. Je pensais qu'il aurait été plus fun que ça. Vu que j'aimais bien sa première phase, j'aimais bien la première fois que je l'avais fait. Je suis quand même un poil déçu. De la deuxième phase. Qui a l'air assez bordélique. Ça suffit, oui. Toi, t'avais bien aimé?
Doing. J'ai encore essayé de grid, hein. Arrête. Salopard. Merde. T'as dit que j'allais pas galérer? Je pense qu'encore une fois, j'ai eu un coup de bol sur le départ. Ça là, j'arrive pas à éviter ça, je suis trop con. J'arrive pas à capter. Unus.
Ouais, il m'amuse beaucoup moins. Je risque de rager. Hein. Je risque de rager. Restez là si vous voulez me voir mordre ma manette avec frénésie. Oh, quel con. J'ai été greedy, je voulais aller le frapper au moins une fois. Bon, la P1 était propre. J'ai pas le droit de rager? Comment ça? Évidemment. Pas content. Plus mes runes sont tout au bout. Chiant. Chien. Merde. Allez, défonce-le. Je vais essayer.
Non. J'ai eu peur de pas avoir le temps. Oh merde! Faut que je regarde plus ce qui se passe. Faut que je regarde plus ce qui se passe quand il est en train de passer en P2. Au niveau de ma barre de vie. J'ai fait un build pour PVP, les gens me détestent, je pense. Pourquoi t'es trop fort? Trop fort, mec! Mon build est assez horrible. Pourquoi j'essaie toujours ça après? J'ai envie d'abandonner, j'en ai marre. Vas-y, on repart sur un truc propre. C'est-à-dire pas comme ça. Allez, ramène ta face. Ah, je suis... Merde. C'est vraiment le passage du combat que j'aimerais bien optimiser. C'est un peu chiant. Le mal de tête qui commence à le faire. Oui.
Merci. Merci de m'encourager. J'ai aussi mon mal de tête qui monte depuis tout à l'heure. En fait, en P1, faut que je reste un peu plus patient. J'ai pas besoin de grid. Fais la connerie. Oh, j'ai raté, ça dégoûte. Quand tu veux pour te soigner, voilà. Ça dégoûte. Oh non, non, non. Oh, oh, je suis con. Yes! Voilà! Merci pour vos GG, les gars! C'est bien, je voulais vraiment optimiser le passage en P2 et je trouve que j'ai vraiment bien réussi. Donc je suis plutôt content de moi. Bon, il m'a donné combien ? Beaucoup. J'ai quand même réussi à garder toutes mes runes, hein. Ça, c'est incroyable. Bon alors, qu'est-ce qu'on monte ? Voilà. C'est du 45-45 ? Rien. Tu jettes tes runes. Allez, hop, à la poubelle. Non, je vais mettre en 45-45. Je vais rester comme ça, je pense. Et puis après, je sais pas, peut-être monter un peu l'endurance ou l'ésotérisme.
Ah bah c'est bien, on aura fait deux gros boss aujourd'hui, c'est cool. C'est cool. Bon. Et maintenant? Maintenant, il y avait ça que je voulais voir, parce que j'ai pas vu cette grotte. On va démarrer de là, on est des ouf. On va aller faire cette petite grotte. Et après, bon, il y a un marqueur qui va là. L'autre marqueur, il est où? Les archers mitrailleurs là. Est-ce qu'il y a genre des pièges sur le chemin? Je vais voir la map. Tiens, des ruines. En fait, j'avais même pas vu ces ruines là. J'étais pas allé jusque là. Affreux, oui. Les archimitrailleurs. Ils sont vivants, eux? Ouais, ils sont vivants. Oui, bah, je sais que t'as marché sur un Lego, mais calme-toi. Tiens, dans ta gueule. Dans ta gueule. Oh, il a tué son pote. Ah oui, il a tué deux démences. Okay. Pardon. Il va me tuer? Ah bah ouais. Incroyable. Qui l'eût cru? Ah, y a aussi un endroit où j'aimerais beaucoup aller, c'est... Ça là, ça. Hein? Ça. C'est pas si loin en vrai. Attends, il repop pas? Ah si. Je voyais pas celui à droite. Oh, j'ai réveillé les deux. Putain, ils me suivent, c'est con. Merde.
Attendez, je me casse. Il a vraiment dû lui faire mal ce Lego. Je suis devenue folle. Bon, tant pis pour les runes, on s'en bat les couilles en vrai. Voilà. Pardon, j'avais pas vu que j'avais... J'allais redémarrer via une effigie. Il est méchant ça, c'est un gros méchant. Ah non. Attends, je suis où exactement là? Ah non, je suis loin de mes runes en fait. Le prix de rat, c'est mort. Au secours. Putain. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de m'infliger tout ça. Zone affreuse, ouais, clairement. Mais tout ce qui est avec de la démence... Pareil, au plateau Altus, il y avait un passage avec... Avec de la démence partout, c'était horrible. J'aimerais peut-être au moins trouver le souterrain de ces ruines, quoi. On me dit pas qu'il m'a vu. Chier. Et ça fait ta roulade. Fais comme si tu joues dans Dark Souls. Voilà, c'est pas dur. Là, faut que je m'occupe des rats d'abord. Crève, saloperie. Putain de pilier. Bon, au moins il a tué l'autre.
Tout ça pour qu'il n'y ait rien ici. C'est parfait. Joli saut. Je me souviens même plus où est-ce que j'ai sauté. Ah, quand je lui ai sauté au-dessus, peut-être. Quelque chose est championne de saut en longueur. De saut en hauteur, pardon. Hop là, pareil. Je sais plus si t'as trouvé un sous-sol ici ou non. Ça veut dire que ce serait la deuxième... les deuxièmes ruines sans sous-sol. J'ai pas fait les bâtiments vraiment tout au fond. Alors là, je suis pas allé. Merci. Bon bah y a air. Mais c'est juste cela, en fait. Voilà. Galerie d'anis jaune. Galerie pour les Marseillais, ça. Je vais te laisser, je vais faire un coucou à Killy et je pars streamer. Ça roule. Moi, en vrai, je vais arrêter dans pas longtemps puisque j'ai mon mal de tête qui reste là. Je vais faire cette galerie en gros et puis après, après bye bye. Sauf si la galerie me saoule. Bien, allez, à plus. Je passerai peut-être te voir alors tout à l'heure. Vu que tu vas peut-être faire Farou Mazula. Je verrai où t'en es. Ils sont morts, eux. Ils sont morts. C'est cool de voir une grotte comme ça, pleine de glace. Ça fait du bien, ça change. Évidemment. Ciao, ciao, Nito. Merci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Oh, j'ai raté. Ah. Va falloir sortir les espadons, je crois. Ah, d'accord.
va falloir sortir les espadons. Contre eux. Du coup, j'aimerais bien. Hop. Oh merde, ça va pas marcher. J'ai l'oreille qui gratte, pardon, pardon. Oups. Oh, il y avait une échelle, j'avais pas vu, aveugle man. Je sais pas si je devrais descendre d'abord. Au bout. Allez, on va descendre. Qui êtes-vous ? Ah oui, c'est vrai, fallait que j'améliore encore l'autre l'autre espadon, j'avais oublié ça. On les voit très mal du coup, les pierres de forge. Ce bordel.
Faudra que je tourne au bastion la prochaine fois que je trouve un site de grâce. Est-ce que c'est jouissif de taper comme ça? Et il a pas eu le temps de dire ouf celui-là. Et parfait. Ah, donc juste un petit aller-retour au bastion. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Zut. Oh la flemme, bon tant pis. J'irai tout à l'heure, faut pas que j'oublie avant de couper le live. Allez, je garde mes deux gros espadons, pour rigoler. Alors, qu'est-ce que ce sera? Ah ouais! Trop bizarre? Pas trop marrant? Ah, j'avais oublié. Mais je vais le défoncer, non? Ah non, ça va. Thank you.
Oh, j'ai raté. Je me mets trop proche de lui à chaque fois. J'arrive pas à le toucher. Ça fait mal ça. Ça permettra aussi de comparer les dégâts qu'on fait. On fait plus mal avec ça, hein. C'est ouf, hein. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il redescendait à un moment. Mais what? Vous m'avez pas fait ça la dernière fois. Aïe. On va la voir. Voilà. Bah parfait, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas qu'on oublie de retourner au bastion.
Mais en vrai, pff, en vrai, ça sert plus à rien. On a vu que ces armes-là tapaient plus fort. Rendu à 45 et après je pense qu'on montrera l'ésotérisme. Attends, je vais regarder comment scale. Comment que ça scale? Scale surtout en dex et un peu en ésotérisme. L'autre. Dex et force. Je me demande si, si le fondoir de réprouvé accès à fond. En fait, le croc de lignée, il tape plus fort. Il a buté. Bon. Je regarde la route. Bon, ça a l'air d'être en bas après. Okay. Bon, allez. YouTube, c'est la fin de cette VOD. Ouf, plein la gueule.